Bonjour et bienvenue de Batman Arkham Knight. La dernière fois, nous avions fait des quêtes secondaires, dont des quêtes une quête DLC avec le Chapelier Fou. Et maintenant, on allait enfin aller chez l'homme mystère, parce que sinon il va continuer de nous faire chier pendant un quart d'heure en mode allez Chevalier Noir, qu'est-ce que tu attends? Et moi je vais lui faire mais dis donc Jamie, mais t'es un peu con quand même. Eh bien oui Fred, c'est parce que je ne me suis pas fait défoncer par toi il y a quelques années à Arkham City. Et donc ma cote a descendu. Comme tu peux le voir ici, je joue encore avec des Playmobil. Mais qu'est-ce que... J'ai autant de points? Je crois que j'avais tout mis là. Donc c'est bon, donc je peux... Du coup, on va s'occuper maintenant du combat plutôt. Alors, multi-élimination spéciale au sol, ça nous a toujours aidé. Combo spécial désarmer et détruire. Le combo contre les couteaux, même si on le rate tout le temps, au moins on l'aura. Alors. Non. Oui. Alors. La créature de la nuit, c'est fini parce que. Enfin, c'est bloqué pour l'instant parce que c'est ailleurs. On peut encore s'occuper de Firefly, mais bon, ça dépend de où. L'arme du feu, il en reste un Miyagami Island, je l'ai cherché pendant des heures, je l'ai pas trouvé. Ce sera donc au pif, ou alors quand la police nous appellera. Les tours, j'étais pas censé le faire parce qu'elles sont toutes sur Founders Island. Voilà, Miyagami c'est fait, il y en a une sur Black Island et trois sur Founders Island. Et le crime parfait, je cherche toujours. Et pour l'instant, aucune extension n'est... Ah! Je peux aller là. Bon, on fera ça plus tard. D'abord. Allons nous occuper d'Edouard Nigma. Célina est toujours prisonnière de l'orphelinat. Nigma y a préparé quelque chose qui nous implique, elle et moi. Mais c'est vrai que du coup, les points que j'ai eu, ça doit être pour m'occuper de tous les trucs à Black Eye. D'ailleurs, il ne reste plus qu'un drone, on devrait s'en occuper. On s'occupe du dernier drone. On les exécute sans poser de questions. Quoi que t'en penses, l'épouvantail est taré. On n'aurait pas dû accepter ce boulot. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es perturbé parce qu'on opère sur le sol américain? T'as peur de devoir affronter Batman? Ou t'as juste peur de l'épouvantail? Je suis prêt pour le faire. Alors le truc pour s'occuper des drones, faut aller sur les grues, faire un super truc de chauve-souris, ou alors aller sur la tour Wayne. Où est-ce que t'es? Te voilà petit drone. Je fais ça pour remonter. Ça devrait être bon. Alors comment que ça se fait que t'es là toi? Serpent en ligne. Ouais, y a plus de drone maintenant. Bon, il y a des hélicos, mais ça on s'en fout, c'est pas notre problème, on doit aller là-bas. Alors, Bozy Versa, vous pouvez voir parfois Batman Bat volter quelque part. Parce que oui, il faut le retrouver en fait maintenant. C'est un peu comme les airs d'opéra, on pourrait très bien le faire, ça étant donné que ce n'est pas limité par la voiture, mais bon, faut trouver les cadavres, et c'est chiant. Mais vraiment, c'est chiant de retrouver ces cadavres. La, 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 la. Merci à l'épouvantail, il nous a carrément offert la ville. Alors personnellement j'adore l'ambiance de l'orphelinat parce que c'est enfantin et Nigma-esque. Rien, 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 rien. Rassure-toi,
Remus. Saine et sauve. Mais avant que je t'autorise à la voir, Résous cette énigme. Quel genre de question ne peut être posée qu'après mûre réflexion? Bonne chose. Avec la lampe au-dessus. Tu as le droit de voir ton ami. Ton ami. Eh bien, il sera aussi surpris que moi que tu sois allé si loin. T'es où, Katou? Mais pourquoi je te vois? T'es un monstre, en fait. Contente de te revoir. Eddie refusait de me montrer le petit jeu qui nous attend derrière cette porte tant que tu ne serais pas arrivé. Je vais te sortir de là. Excuse-moi, tu me trouves irritable? C'est peut-être lié au splendide collier que m'a offert Eddie. Tu l'as remarqué? Il est éclatant. Éclatant parce que il va exploser. Par hasard, vous devrez coopérer pour obtenir la clé cachée ici. Oula, c'est glauque ici. J'en connais un qui a lu le feng shui pour les tueurs en série. Oh, super. Je suis doublement piégée. Comme si le collier ne suffisait pas. Batman, vous n'avez pas le droit de vous en sortir sans l'aide de votre Minou. De qui? Alors, voyons voir. 3. 1. 4, 5, 2, 3, 1, 3, 3, 1, 4, 5, oh, regarde. 2. Encore des amis. Bon, et bien voilà, nous sommes fixés. Vous n'êtes pas aussi stupide l'un que l'autre. Félicitations, Batman. Alors maintenant on va voir pour Katou. Un, trois, cinq, deux, quatre. La chance d'ailleurs que ce soit des assistants automates, sinon ils seraient tous morts. Tandis que Katou utilise des griffes létales. Ça va prendre toute la nuit, c'est ça? Ouais, ça risque d'être chiant. Bon, c'est
C'est sympa. Au moins, j'ai pu frapper quelque chose. Est-ce que tu tiens bon? Ça va. Arrête de jouer les inquiets. Aide-moi plutôt à enlever ce truc. Je ne lirai pas Victoire Proto à votre place. Chevalier Noir, tu pourras trouver mon prochain défi sous Elliot Memorial Hospital. L'emplacement s'avérera très pratique quand tu t'évanouiras l'épuisement mental. Oui, parce qu'on peut faire tout d'une traite hein, de l'homme mystère, hein, pour que vous sachiez. Hey, Batou, depuis quand Catwoman est si charmante? Peut-être depuis que je vois à travers tes yeux. Oh, qu'est-ce que tu attends? Invite-la à dîner. Oh, ne me dis pas que tu es encore torturé par ta grégoule quand même. Ça fait plusieurs mois. Même les vers qui ont mangé son cadavre vont sans doute oublier alors qu'il est. Vraiment passé à côté de cette potentielle histoire. Juste parce que j'ai percé les poumons de ta copine. Ah, croisant un homme expérimenté, Bruce. Les femmes détestent quand tu rumines sur l'ex que t'as pas pu sauver. Alors. On va faire un peu de quête principale. Si on parvient à décrypter les protocoles de sécurité du chevalier d'Arkham, le localiser. S'il pense pouvoir vous échapper, monsieur, il risque une cruelle déconvenue. Reste attentif. Centrale, présence des meutiers sur Miagany Island. Falcon 5 terminé. Je reste attentif au cas où j'entendrai d'un seul coup un Tiens. Tu sais, je crois que j'aurais pu faire partie de l'armée. Ah tiens, peut-être autour de la tour Wayne, on n'a pas vérifié. On a une émeute en cours près de la tour Wayne. Bah là ? Ah bah non. En fait, j'ai cru que c'était le... Parce que le mec était contre un mur. Ah là! C'est vrai que j'ai pas été vérifié ici pour les trucs de. Des pompiers. Mais là, c'en est pas un. Quelle belle nuit pour les truands! Batman, il est là! Voilà. Ça va être le dernier pompier de Niagami Island, du coup celui-là. Et il ne me restera plus que la troisième île pour les pompiers. Sérieux, je suis content d'avoir un boulot, mais j'ai pas signé pour ça. Les incendies, d'accord, mais là c'est l'anarchie. Je suis sûr que le pyromane que vous cherchiez est Firefly. Firefly. Je comprends mieux alors. Ces incendies étaient différents, parmi les pires que j'ai vus. Y avait-il un lien entre eux? L'emplacement? Le type de bâtiment?
Oui. C'était soit des immeubles abandonnés, soit des projets de rénovation. Ça veut dire quelque chose ? Je n'en suis pas certain. L'emploi... Enfin... Ne vous inquiétez pas. Celui qui paye Firefly a peut-être ses raisons, parce que... Au cas où vous l'ignoreriez, en fait, Firefly... Il prend des contrats. Il fait ça pour le fun, mais il a des... Comment ? Il aime bien avoir quelques contrats, on va dire. Le chevalier d'Arkham, ça me dit rien. Et pourtant, j'étais à Arkham City. Je vais à la tour Wayne. Si on parvient à décrypter les protocoles de sécurité du chevalier d'Arkham, on pourra le localiser. S'il pense pouvoir vous échapper, monsieur, il risque une cruelle déconvenue. Et dire que les gens pensent que Bruce Wayne est sans doute bien planqué dans, son bâtiment. C'est gentil à vous de passer, monsieur Wayne. Vous n'aviez pas la tenue appropriée pour l'entrée principale. Vous avez terminé le décryptage ? Tout est décodé. J'ai chargé toutes les transmissions radio récentes de la milice et leurs coordonnées correspondantes sur votre machine. Merci, Lucius. Je peux trouver l'empreinte vocale du chevalier d'Arkham et déterminer l'emplacement de sa dernière transmission en scannant le réseau. Et si j'avais vraiment voulu connaître ton identité, je t'aurais arraché ce masque il y a des années. Je me suis toujours dit que la vérité serait décevante, mais je reconnais que se faire passer pour le mondain le plus barbant de Gotham, c'est une sacrée couverture. Les parents morts, c'est la cerise sur le gâteau. Ben, rappelez-vous ce qu'il a dit dans Arkham City, hein. Quand... Ah, ça fait... Hurler. Lucius n'est peut-être pas seul. Entrer en tenue de Batman serait une mauvaise idée. Ça fait Harley. Mais je veux savoir qui c'est, Poussin. Tout le monde a sa part de mystère, voyons. Vous êtes là ? On va écouter, hein, parce que... McCallum... Aussi. Bruce, c'est Cassie. Vous vous souvenez de moi? Oh, j'ai vraiment passé un super moment l'autre soir. Vous n'êtes pas comme le disent les journaux. Enfin bref, appelez-moi quand vous aurez ce message. Et j'ai des amis qui meurent envie de vous rencontrer. Lucius, écoute pas. Lex Luthor. Oui, mais... Je suis sûr que nous pouvons parvenir à un accord. Après tout, un homme aussi raffiné que vous a moins besoin d'une division de sciences appliquées que d'un autre million de dollars. Ouais. En fait, c'est parce qu'à mon avis, comme Superman est un ami de Bruce Wayne, enfin de Batman, il sait que Lex Luthor est un méchant. Ok, on a fait le tour.
Ils auraient dû les annuler dès que c'est fait, quoi. Allez. Ah non. Ah si. Broussi. Identité confirmée. Bonsoir, monsieur Wayne. C'est heureusement que l'ordinateur fait « Bonsoir, Batman !» Non, j'ai assez attendu. Batman va mourir. Ce soir. Analyse des communications pour correspondance vocale. Laissez-moi deviner. Il est sur Miyagami Island ou sur... quoi ? Localisation confirmée. Ah, c'est la troisième île, ça. Le chevalier émet depuis le réseau souterrain de Miyagani. Ah non, Miyagami. Ravi de vous être utile, monsieur Wayne. Tant que vous êtes là, nous avons élaboré de nouvelles améliorations pour votre voiture. Dites-moi sur quel aspect nous devons concentrer nos efforts. C'est quoi ça ? Ah, ça va vous plaire. Je l'ai programmé moi-même quand j'ai vu ce que vous deviez affronter. Le virus du drone pirate l'armement des tanks de la milice et les pousse à viser leurs propres alliés. Je veux ça. Je m'en fous d'une amélioration des amalgames. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Soyez prudent, monsieur Wayne. Vous savez où vous êtes. La trace du chevalier d'Arkham m'a mené au réseau souterrain de Miyagani. Excellente nouvelle, monsieur. Mais je détecte un grand nombre de drones dans la zone. Ce serait de la pure folie de les attaquer sans la Batmobile. Entendu. Dois-je ouvrir l'entrée sud ? Attendez que je sois sur place, Alfred. Je ne veux pas gâcher la surprise. Le vide. Drone de la milice repéré sur Grand Avenue. Formation de patrouille. Terminé. Ah oui, ils sont pleins là, ils sont nombreux. Quoi ? Vous m'amenez là ? Vous me dites que je dois aller en dessous ? Batou, espèce de charlot, je ne marche pas. Batou ? Batou ? Ah ouais, le Joker est de notre côté dans cette histoire, parce que si je meurs, je ne deviens pas le Joker. Logique. Donc il s'inquiète pour moi. Soyez prudent, monsieur Wayne. Vous savez où vous êtes. La trace du chevalier d'Arkham m'a mené au réseau souterrain de Miyagami. Excellente nouvelle, monsieur. The Light, Miyagami. Un grand nombre de drones dans la zone. Ce serait la folie de les attaquer sans la Batmobile. Entendu. Dois-je ouvrir l'entrée sud ? Attendez que je sois sur place, Alfred. Je ne veux pas gâcher la surprise. Et du coup, j'ai toujours... Attendez, je vais juste vérifier. Non, c'est bien ça, Miyagami Island, 4 sur 4, 6 sur 6, 1 sur 5. Tu sais ce qui me manque le plus, c'est Joker. On a un contact, violent à la sortie du tunnel. J'ai une extraction immédiate. Batman a détruit un raptor. Un Diamondback, la nage endommagée. Diamondback, HS. La cible alpha a eu un drone. Encore deux. D'accord, donc c'était pas genre je devais ouvrir les portes. Attendre que la Batmobile arrive et me mettre là. J'accède au terminal de sécurité du bâtiment.
Qu'est-ce que c'est? Alors, augmente le blindage, allons-y. Hein. On a augmenté le blindage de l'armure, augmentons aussi de celui de la bagnole, il n'y a pas de raison. Alfred, il y a une autre porte blindée. J'ai besoin que vous l'ouvriez. Seigneur, je crains qu'ils m'aient expulsé du système. Ils savent que vous êtes là. Ne vous en faites pas, Alfred. Je trouve un autre moyen. Tu as avancé sur l'antidote? J'avance. Mais je n'ai pas de nouvelles de Barbara. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Elle travaille sur quelque chose pour moi, c'est vital. Mais elle est en sécurité. Ne t'inquiète pas, Tim. Concentre-toi sur l'antidote. Oh, des mensonges, des mensonges. C'est très Joker de ta part, mais je comprends pourquoi tu ne lui as rien dit après la réaction hystérique qu'a eu ce bon vieux Jim. Quand même, si tu tenais à Barbara autant que ton petit acolyte, peut-être qu'elle n'aurait même pas été kidnappée à la base. Non mais là, celui qui a attaqué Barbara savait qu'elle était là. Donc. Ah, ils sont maudits. Comme toi et moi. Dommage qu'ils soient arrachés l'un à l'autre à cause de ta croisade. Récapitulons. Barbara a été enlevée. Soyons réalistes, elle est probablement morte. Tu mens au petit prodige amoureux à son sujet, et ce bon vieux Jim... qui en solitaire pour sauver la situation. C'est pas vraiment ton jour, Batou. Quelque chose te préoccupe? Allez, laisse Robin sortir de sa cage. Tu ne peux pas le réduire en esclavage à cause de ton remue. Qu'il va régler ton problème de jokerite aiguë. Aucune chance. Je suis chronique, Bruce. Et je suis récurrent. On sait tous les deux qu'il n'y a pas de remède pour moi. Tu te rappelles quand tout était simple? C'était le bon vieux temps. Rien que toi. Une guerre classique contre le crime. Regarde autour de toi, Batou. Les choses changent. Maintenant, c'est la guerre tout court. Et toi, tu te trouves au bon milieu du conflit. Dans toutes les guerres, il y a des pertes. C'est inévitable, comme la mort. Enfin, peut-être pas comme la mort. J'ai pu l'esquiver, celle-là. Mais bon, tout le monde n'a pas cette chance. Tu te souviens de Talia? Évidemment. Comment tu pourrais oublier une fille comme ça? Il a suffi d'un petit... Je ne peux pas les affronter sans la voiture. C'est trop risqué. Tu m'as tenu pour responsable, bien entendu, et tu as eu tort. C'est toi qui l'as placée dans ma ligne de mire, Batou. Elle n'a rien fait pour arranger ça. C'est vrai, mais c'est ta faute. Tu vois, les gens te font confiance. Ils croient. Non, non, non.
frappé au Titan ? Pas mal. Sauf si on sait exactement à quel endroit tirer. Dites-moi, chevalier noir. Encore meilleur que dans mes souvenirs. Le plaisir de liquider l'enceinte des flippés. Oh, et t'inquiète pas, mon enfant. Je m'occuperai d'elle comme tu n'as jamais fait. Batman est dans la salle de contrôle. Montrez-lui ce qui arrive quand on veut s'attaquer à ma vie. Désolé, j'avais coupé mon micro parce qu'il y avait quelqu'un dans la pièce d'à côté qui parlait. Et donc, je ne pouvais pas parler. Heureusement, il y avait le Joker pour parler pour moi. Mais voilà, je vais m'occuper de ce con. Le chevalier d'Arkham savait exactement où frapper. Pour me faire du mal avec mon armure. Oh mais ferme là. Tout le monde sait que Batman il tue des gens dans ce jeu, tire l'arigot quand tu vois les éliminations. Je t'ai pas mal de connaître, hein. Tu crois qu'on est coincé ici? Quel genre de figure? Et comment on va pouvoir arrêter Batman avec une porte et quelques tanks? Chevalier d'Arkham. Je vois que vous êtes de retour dans la voiture. Poursuit le chevalier. Il est là. Espérons que Mademoiselle Gordon est avec vous. Détruisons aussi tout son matos tant qu'on y est. Dommage qu'on peut pas juste défoncer ce panneau et que ça marche. Non, il faut retirer le câble jaune et le bleu et les assembler ensemble pour que ça fasse un court-circuit. Monsieur, le radar thermique ne détecte qu'un corps, celui du conducteur. Aucun signe de Mademoiselle Gordon. Il sait où elle est. Yes!
par monsieur. Il est à moi. Allons, petit chevalier. Oh, oui. Et pas qu'un peu, on dirait. Connais si bien chevalier d'Arkham, tu devrais savoir. Voilà, oh, ça s'est pas parti de ton petit plan. Merci de me l'indiquer. Barrez-vous de mon chemin. Où je peux le trouver. Les rampes en dehors du trou, s'il te plaît. Oh, on a perdu ces petits chouinettes. Qu'est-ce que ça te fait de t'être trompé de cible? Où est le chevalier d'Arkham? Oh, et là, c'est le moment de l'interrogatoire. Où est-il? Il est allé voir le petit gros, le pingouin. C'est lui qui fournit les planques pour l'attaque. D'accord, et il est où? Le chevalier est allé le payer pour ses services. C'est tout. C'est tout ce que je sais. Tu te souviens d'autre chose? Il utilise une société de réfrigération comme couverture. Les camions distribuent des armes dans toute la ville. Le nom de la société? North! North Refrigeration! Merci. Le Pingu. J'ai besoin de tout ce que vous pourrez trouver sur North Refrigeration. Très bien. Puis-je vous demander pourquoi? Le Pingu. C'est le pingouin qui fournit le chevalier d'Arkham. Et pour l'heure, il est ma meilleure piste pour trouver Barbara. Je regarde tout de suite, monsieur. Ah, je vois que monsieur Fox essaie de vous contacter. Monsieur. Monsieur Wayne, votre nouvelle amélioration pour la Batmobile est fin prête. La Batwing est en route vers Grand Avenue. Ok. Qu'est-ce que tu m'as encore mis comme musique, Lucius? Monsieur, j'ai découvert que le chevalier d'Arkham utilisait un programme pour émettre à partir de votre gantelet. Rassurez-vous, nos communications sont bien cryptées. Pourrais-je le bloquer pour éviter toute intrusion future? Gardez le canal ouvert, Alfred. Plus il parle, plus j'ai l'impression. Très bien, monsieur. Alors, maintenant, écoutons un peu ce que nous a mis Lucius dans la Batwing, cette fois. Mmh.
and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. You're so sorry, skeletons, you're so misunderstood. You only want to socialize. Dernier, et là le gros dernier. Enfoiré, Batman. Monsieur, j'ai fait des recherches sur North Refrigeration, comme vous l'avez demandé. On dirait que Maître Grayson enquête sur le sujet depuis un moment déjà. Bien. Dites-lui de m'envoyer ce qu'il a. Il insiste pour vous voir en personne, monsieur. Il est parti de Bloodhaven avec les informations requises. Il vous retrouvera sur le toit qui surplombe la gare maritime de Ranlag. Merci, Alfred. En attendant, juste, monsieur, juste ce si qu'il me fallait. Si on envoie les analyses, le chevalier d'Arkham a posté ses lieutenants dans les transports blindés répartis à travers la ville. Nous avons l'un de ces véhicules en ligne de mire. Si vous voulez intervenir pour l'éliminer de l'échiquier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Là, on a des gros blindés. L'analyse globale de la ville a révélé la position de l'un des blindés de la milice. Je vous transmets les données, monsieur. Voilà, je viens d'avoir une aide du jeu qui me dit où trouver un décor que je cherche. Après, il me semble, je peux toujours vérifier. Vous voyez, regardez, info. On a signalé de la musique d'opéra dans le quartier de Kingston, monsieur. La carte de visite du tour. Peut-être la piste qu'on attend. Maintenant que j'ai la piste, on retourne sur celui-là. L'analyse globale de la ville a révélé la position de l'un des blindés de la milice. Je vous transmets les données, monsieur. Et en voilà, encore une. Il en reste plus qu'une avant de m'affronter le dernier blindé.
Allez, on va dire bonjour au resto. Et voilà. Cash, j'ai neutralisé un des transporteurs de la milice. J'ai besoin de quelqu'un pour ramener le pilote au GCPD. Je mets quelqu'un dessus maintenant. Et pour terminer, du coup, on va aller s'occuper de ça. On a signalé de la musique d'opéra dans le quartier de Kingston, monsieur. La carte de visite du tout. Peut-être la piste qu'on a faite. Un petit bain. Tiens, il y a trois temps, il y a trois. Ah non, ça c'est les trois. Comment? Gars de la milice. Donc c'est des gros blindés bien dodus. C'est quoi cette emmerde? Finalement, le pingouin est pas si con avec son parapluie. Je vois pas le corps pour l'instant. Qu'on oublie d'aller voir le pingouin tout à l'heure. Il a prévu quelque chose de spécial. Là, c'est un mec. Là. Trouvé. Alfred, j'ai trouvé une nouvelle victime. Imparfait. C'est regrettable, Maître Bruce. Reste à espérer que son corps nous livrera des indices quant à l'identité du tueur. Et donc, du coup, au prochain épisode, on ira s'occuper du truc. Des écailles de poisson. Il y a une irrégularité sur la poitrine de la victime. On dirait une tache de naissance bien distinctive. Par contre, c'est bien. Toutes ces personnes, elles ont trois détails. Et à chaque fois, c'est trois détails chirurgicaux que tu peux trouver avec trois scans différents. Incroyable. Des prothèses aux orteils. Il manque plusieurs orteils au pied. Ah non, il les manque. La localisation de l'amputation indique l'ablation de tissu non viable dans le traitement d'engelure. Pourtant, ils sont là. Donc, c'est bien ce que je dis, prothèse. On va continuer comme ça. Parce que des fois tu ne vois pas parce que le détail est caché dans un autre angle. Ah ah, c'est ce que je disais. Une balle est logée profondément en haut du biceps. Ce type de munition est utilisé principalement avec un fusil de chasse qu'on ne produit plus depuis plus de 10 ans. Alfred, la victime s'appelait Robert Kincaid. Il travaillait chez Stagg Enterprise comme microbiologiste. Stagg, oula. On pensait qu'on voulait empêcher Kincaid de divulguer des recherches controversées, mais cela n'a jamais été prouvé. Il a ensuite enseigné à Atlanta. C'est là qu'il a été porté disparu. Atlanta. Avez-vous trouvé un lien entre les victimes? Je ne trouve aucun lien personnel ou professionnel entre les victimes, mais elles ont toutes disparu près de parcs ou de terrains de sport. Essayez de découvrir un lien entre ces lieux. Très bien, monsieur, je regarde cela. Encore deux victimes à trouver. Je le sais parce que c'est écrit là, regardez.
peut se venger pour le tribunal. Batman va en baver. Bah, en même temps, c'est pas moi qui lui en ai fait plus baver, hein, franchement. Selina. Bon, on a un peu de temps, allons sur l'autre. Parce que je me trompe toujours d'île, en fait, là, la plus grande île, c'est Founder's Island. Voilà, allons sur Founder's Island. Se taper quelques. Oh, ouais, il y a l'épouvantail à la télé. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur discours? Moi, quand je vole un type, je lui fais pas une conférence sur le vol à l'arraché. Mais donc. Non, 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 la manette. Oh putain. Oh, j'ai eu chaud. J'ai hâte de voir Batman et le chevalier d'Arkham. Et je vous jure, je bouge pas tant que ça. Les cobras devaient le réduire en miettes. Ils ont bien failli m'écraser à la base. Apparemment, le. On va s'occuper de quelques trucs ainsi. Tout petit peu. Bon, il y a beaucoup de tours apparemment, mais bon, ça c'est spoiler, plus loin dans le jeu il y aura des tours qui vont être ajoutés dans les deux, enfin des tours vont être ajoutés dans les deux îles, mais c'est pour en fait ne pas augmenter la difficulté du jeu. Ah bah, voilà par exemple une, et on va en faire juste une autre ici. On peut pas encore y aller. Voilà, Gotham en feu. Et donc voilà, on va finir avec Azrael. Et la prochaine fois, on s'occupera surtout du. Comment ? De l'extension. Alors ne te déconnecte pas maintenant. Je suis prêt pour un autre défi. Et je pense qu'il faut de nouveau pas se faire toucher. Dans le dos. Tu as fait preuve de compétence. Je reviendrai quand tu seras prêt pour la prochaine épreuve. Quelle que soit la difficulté du test, je le réussirai. Encore une démonstration de maîtrise, monsieur. Il a incontestablement étudié vos méthodes durant son séjour à Arkham City. Les premiers tests indiquent qu'il emploie des techniques de combat presque identiques aux vôtres. Ça pourrait même être une skin de vous. En effet, je rassemble les données de cette rencontre et les ajoute aux précédentes. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit, monsieur. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming, c'était Devil. A plus.